Le creusement de puits qui desservent une ou plusieurs galeries permettent l'extraction en sous-sol. Les principes d'extraction évoluent peu dans le temps. Le creusement du puits, dont la profondeur varie entre 2 et 12 mètres, dessert 3 ou 4 galeries de 3 à 7 mètres. Les conditions d'exploitation sont pénibles. L'aération et la lumière provenant de la surface ne sont dispensées que par un seul puits. Les risques d'effondrement varient en fonction de la nature des sous-sols. Selon les contextes géologiques, mais aussi selon les époques, les galeries peuvent être boisées par mesure de sécurité. Un seul puits dessert plusieurs galeries. Au fur et à mesure de l'exploitation, les déblais sont accumulés dans la galerie des... Après extraction, les blocs de minerai les plus chargés en oxyde de fer sont transportés vers les ateliers de réduction. La construction du four à fosse commence par le creusement d'une petite fosse destinée à recueillir l'ensemble des déchets produits lors de la réduction. Un premier feu va sécher le four. Le four est ensuite chargé en alternant les couches de charbon de bois et de minerai concassé. En fin de fusion, la cheminée du four est détruite afin de pouvoir accéder à la combustion est assurée par l'oxygène de l'air qui entre dans la cuve du four par les évents de manière naturelle. En fin de fusion, seule la porte est détruite. La réduction est terminée. La scorie coulée